bonne symbiose viendra du Québec. Vous voyez comme je suis malin, Odette Ménard, c'est à vous. Vous êtes agronome auprès du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, c'est absolument bien ça? Absolument. En fait, je suis engagée là-bas comme ingénieure. Oui, mais il faut venir ici, là. Mais non. Je sais bien, j'aimerais que quelqu'un prenne ma place pour la vidéo, parce que moi, je suis une fille de champ. Et donc? Je suis bien en bas. Je suis bien sur le terrain des vaches. Si vous voulez, on s'assoit tous les deux. Mais vous voulez que j'aille en haut? Il faut vraiment que j'aille en haut? C'est mieux. C'est mieux pour le public, sinon le public ne vous verra pas. Mais vous pouvez vous asseoir, par contre. Tu vas aller en haut pour moi? Oui. Vas-y. Alors, Odette Ménard, version française. j'ai le truc. Donc, c'est vous, Odette. C'est à vous. Alors, j'ai 22 minutes. Donc, je connais très bien Odette Ménard, que je salue. Parce bonjour, que Conrad. Je pense que cette aventure, on l'avait commencée ensemble en Bretagne, il y a oui, en 2000... Oui, absolument, absolument. Voilà, 2003. Je vais te rejoindre, Conrad. Hein? Voilà. Oui, on a commencé ensemble et d'ailleurs, tu as encore ma paire de bottines dans ton camion, je suppose. Oh, je pense qu'elle est partie à la poubelle depuis longtemps. Hey, bon. C'était des bonnes bottines. On va arrêter là sur les confidences. Je les ai utilisées entre-temps. Je suis très, très contente d'être ici. C'est toujours un plaisir de venir en France. Quand j'ai le privilège, c'est un privilège pour moi d'aller jaser de mes connaissances, de mes expériences ailleurs. Et la plupart du temps, je le fais en anglais. Mais en France, je suis capable de le faire en français et j'espère que mon accent ne sera pas trop déplaisant. Il est parfait. Merci beaucoup. Ça fait maintenant une trentaine d'années que je travaille avec les producteurs agricoles. Je ne suis pas un chercheur, je suis une abeille. Je suis vraiment une personne qui butine les informations, qui butine les expériences à gauche et à droite et qui les ramène aux producteurs agricoles et qui fait de son mieux pour les convaincre d'adopter des pratiques agricoles de conservation. Je suis très impressionnée d'être dans l'organisation de Marcel Boucher qui parle beaucoup de vers de terre et qui les connaît 100 fois mieux que moi, mais ils sont quand même... je les traîne partout et j'en parle souvent et voilà, c'est fait pour cette présentation. Voici le plan de match des 20 prochaines minutes. La qualité des aliments. Évidemment, quand on parle de santé des sols, quand on veut rejoindre les consommateurs, le défi, c'est où l'agriculture rejoint le consommateur. Et depuis plusieurs années, différentes études ont été faites sur la qualité des aliments. Et voici un peu un résumé de ces différentes études-là. Des pertes en aliments, en éléments nutritifs importants. Et à travers toutes ces études-là, ça se maintient. On voit ces pertes-là, on les voit dans le lait, on les voit dans les fromages. Et cette belle charte-là indique simplement que tous les points qui sont sous la ligne indiquent des pertes de ces éléments-là pour différents éléments qui ont été mesurés. Et on associe cette perte de qualité-là beaucoup au changement climatique. Alors, en faisant ce regard-là, je me posais la question à quoi on pouvait bien attribuer ça. Et je suis tombée à un moment donné sur ces données-là, l'évolution de la matière organique dans le sol. C'est des données qui viennent des États-Unis. Et ce qu'on y voit, c'est que depuis le début de la mécanisation, depuis le début du siècle, on voit une perte jusqu'au début des années 60 d'environ 53 % du total de la matière organique dans les sols, ce qui correspond évidemment avec la mécanisation, donc beaucoup plus de facilité à aller travailler, la mise en place, l'adoption des grandes cultures aux États-Unis. Il y avait des grands pâturages et on est arrivé avec des céréales, avec le labour mécanisé, avec la fertilisation. Les rotations sont devenues de plus en plus courtes et on a fait face à une perte de matière organique. Et puis, à un moment donné, on a vu que ça remontait. Mais ça remontait parce que, évidemment, aux États-Unis, il y a eu toutes les énergies qui ont été mises en place pour réduire le travail du sol, pour faire en sorte qu'on
on réduise la problématique associée à l'érosion. Je vous présente ici ces quatre types de sols. En fait, c'est à peu près les mêmes types de sols, mais quatre pratiques différentes. Mais voici l'état de nos sols, en général, beaucoup. Des structures et une aération de profil diminuées, des pH de plus en plus acides, une vie microbienne ralentie, une toxicité ammoniacale, c'est la situation où on est. Et on veut mettre en place le travail réduit. Alors, vous vous rappelez, on est dans une situation, on change nos méthodes de travail et on veut réduire le travail. Super, on est en affaires. Par contre, ce qui est arrivé dans la réalité, c'est qu'on n'a pas vraiment réduit le travail. Quand on parle de travail réduit, et on en a parlé beaucoup depuis le matin, on parle de nourrir le sol, on parle de ramener du carbone au sol. Et pourtant, on a associé le travail réduit à de la machinerie encore. Alors qu'on aurait dû vraiment se tourner en disant, c'est quoi la quantité de résidus que je laisse vraiment au sol? Ce qui fait que, dans le temps, notre machinerie a grossi et la profondeur de travail a aussi grossi. Par chez nous, on parle de sous-solage. Et donc, au lieu de diminuer notre impact sur le sol, on l'a augmenté, on a augmenté notre effet destructif sur les caractéristiques physiques et les caractéristiques biologiques de notre sol. Le système, ce matin, Nicolas parlait de l'importance d'aller à l'école, de l'importance de la difficulté, de la complexité du système agricole. Je vous le présente en quelques images. C'est évident que quand moi je parle de santé du sol, j'oriente mes conférences, j'oriente mon propos sur le sol et la gestion de l'eau, sur les racines et la vie du sol. Mais le producteur agricole, lui, c'est tous ces éléments-là qu'il doit gérer. Et quand on parlait ce matin de douance, qu'il fallait douer pour être producteur agricole, ben moi je pense qu'il faut aussi être doué du sens de la voyance. Parce qu'à chaque fois qu'on demande à un producteur agricole d'éliminer les pesticides, de changer son mode de fertilisation, de jouer avec de la machinerie différente, c'est l'impact sur tous ces autres éléments-là qu'il doit être capable de prévoir. C'est un défi extraordinaire dans les deux sens. C'est un grand défi et c'est un défi très, très énergisant pour toute l'agriculture. Qualité des grains. C'est d'abord pour ça qu'on m'avait demandé de venir. Alors, il faut bien que j'en parle quelques secondes, n'est-ce pas? Ou tant que j'en ai pas parlé, je peux parler. Ah, vous pouvez y aller, hein? Oui, ah oui, non, oui, vous oui. L'avez compris, là, hein? Vous êtes là pour deux heures avec moi. Non, mais je suis là, ne t'inquiète pas. Alors, on a commencé depuis quelque temps, c'est une étude qui vient tout juste de sortir chez nous sur la qualité des grains, et on a comparé la qualité des grains cultivés en agriculture biologique, c'est le niveau de protéines, les IP, les identifications préservées, et évidemment les fameux Roundup Ready. Et normalement, une qualité normale des grains dans le soya, c'est entre 35 et 45 %, on est bien. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que ces différences-là sont significatives? On a pris quelques instants pour regarder qu'est-ce qui influençait ces différents les niveaux de protéines dans les grains. Et on s'est rendu compte que le facteur numéro un, celui qui influence le plus, c'est les protéines et les acides aminés, la fibre et huile, etc., pour expliquer 95 % de la qualité des grains. Et si on va juste un petit peu plus loin et qu'on regarde le premier facteur, qu'est-ce qui influence ce 65 %-là? Bien, on voit que c'est la transgenèse et c'est l'utilisation des pesticides à 25 % du 65 %. Donc, si vous vous rappelez juste une seconde l'espèce de méga-système que je vous ai présenté, la qualité des grains va au-delà de juste la problématique des pesticides. Mais quand j'ai commencé à préparer cette conférence-là et sorti différentes données, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, entre 2015 et 2016, a analysé à peu près 3 200 aliments
dans lesquels elle a trouvé des traces de glyphosate, ce fameux glyphosate qu'on aime tellement. 36 % des produits céréaliers, 37 % 47 % des produits de haricots, pois et lentilles. Les céréales pour nourrissons, 32 % Alors, on s'est dit, ouf, et ça, et je vous les présente, et je ne veux même pas que vous vous en rappeliez, c'est juste que je viens de vous parler de protéines, et je suis sûre que dans 15 minutes, quand je vais vous demander la qualité des grains, vous allez vous rappeler de ceux qui ont du glyphosate, puis vous ne vous rappellerez pas du taux de protéines. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est ma question que je pose tout le temps. Comment on définit la qualité des grains? Pourtant, seulement 3,9% des produits céréaliers dépassaient la limite et un peu 0,6 dépassaient la limite permise. Ce matin, en me réveillant, mon conjoint qui a rien d'autre à faire que de surveiller les revues de littérature pour sa femme bienheureuse, m'a lancé une étude qui vient d'être sortie, encore une fois, de l'Agence d'inspection des aliments. 2015 à 2018. Et cette étude-là contenait 12 767 produits. 37 % de ces produits-là avaient on pouvait détecter du glyphosate. Mais la nouvelle qui était retenue, c'est que 69 dépassait la norme, et dans ces 69-là, 18 étaient des produits biologiques. Donc, on se garoche où maintenant? Et puis là, on parle de 18 sur 12 000 quand même. On se quoi? Pardon? Vous avez dit quoi, en fait? On se garoche où? On se garoche. Oui. Si je suis obligée d'expliquer ce que je dis, ça compte pas dans mon temps. Se garrocher, ça veut dire se lancer énergiquement. Évidemment. Une minute de plus. Et vous ne vouliez pas venir sur scène? Imaginez. En faisant cette étude-là, on a un chercheur par chez nous qui fait des travaux ici, Dr. Lucotte, qui s'est demandé, le glyphosate est tellement problématique, j'aimerais regarder l'impact qu'il a sur les sols. Alors, au début, il est allé chercher 64 échantillons de sol à l'aveugle et il les a analysés pour déterminer les niveaux de glyphosate et de MPA, qui est le résidu dégradé du glyphosate, dans les sols. Évidemment, dans les sols biologiques, on n'en retrouvait pas ou très peu. Et là, quand on en retrouve peu dans un sol biologique, on associe ça rapidement à de la dérive, ou simplement à de l'hérédité, parce qu'on ne sait toujours pas combien de temps ça prend pour décomposer ces choses-là dans le sol. Mais quand on regarde les deux dans le Roundup Ready et dans les champs IP, on voit que les moyennes sont plus grandes, mais j'aimerais attirer votre attention quand même sur le fait que dans tous ces champs-là, il y avait un champ dit en conventionnel, un producteur agricole qui utilise du glyphosate depuis 40 ans, et chez qui on n'a retrouvé aucun résidu, ni de glyphosate, ni de MPA. Et ça, ça pose problème, parce que ça donne une petite lueur d'espoir, dans le sens que peut-être qu'il y a des moyens de gérer ce produit-là sans empester, envenimer ou contaminer notre environnement. En ce moment, au Québec, on est en train de faire une étude sur l'état de la santé des sols agricoles au Québec. Et le but de cette étude-là, obtenir des données quantitatives sur l'état des sols au Québec, interpréter et déterminer les niveaux de santé des sols, déterminer les paramètres qui ont le plus d'impact sur la productivité et éventuellement faire des recommandations pour aider nos bons gouvernements à nous aider d'une manière efficace. Ce qui est intéressant ici, c'est que 264 sites ont été pris et il fallait avoir des zones témoins. Alors, les chercheurs chez nous ont simplement dit, pas de problème, nos zones témoins, la forêt, les bandes riveraines, les dessous de clôture, les haies brise-vent. Alors, ils ont fait ça, les bandes riveraines, les friches, ils ont trouvé 88 témoins et
dans ces sites témoins-là, s'est glissée une parcelle de semi-direct de 25 ans qui utilise des cultures de couverture depuis une quinzaine d'années, qui a été considérée comme un champ à l'état naturel, un champ qui était capable de dire ça, là, ça veut dire que quand on est là, on est dans un état parfait. Donc, je voulais simplement souligner ces choses-là aujourd'hui pour vous dire que, oui, c'est pas évident ce qui arrive en agriculture. Oui, on est aussi à l'aube de toutes sortes de technologies, mais il y a moyen de bien travailler pour minimiser l'impact de tous ces pesticides-là. L'autre chose qui est intéressante, au Québec, on a, je ne sais pas si vous avez ça ici, on quantifie, on note nos herbicides, un IRS, IRE, I, indice de risque, S pour la santé, E pour l'environnement. Et aussi triste que cela puisse paraître, quand dans tout le débat social, le glyphosate est celui qui cote le plus bas dans les deux. Donc, d'un côté, c'est un herbicide qui peut être très intéressant parce qu'il a un indicateur de risque très, très bas, mais de l'autre côté, il reste encore très emblématique d'une grande problématique. Le producteur semi-direct culture de couverture, le producteur qui a zéro MPA, c'est des champs qui sont abondamment nourris de racines et quelques idées sur mettre les racines au cœur de nos actions. Meilleur rendement, meilleure utilisation et rapidement, ben, on les connaît, ces racines-là. On sait ce qu'elles peuvent nous donner. Plus de mucilage, plus d'exuda, plus de racines, plus de vie microbienne, plus de mycorhizes. Et c'est un cercle vicieux à l'intérieur même des racines. Meilleure agrégation, meilleure résilience à la compaction, augmentation de la porosité. Donc, une fois que... Ah, puis, mon Dieu, j'en ai donc bien mis. Excusez-moi. Le carbone des racines est aussi 5 fois plus susceptible de devenir de la matière organique stable. Donc, plus je nourris mon sol de racines, et on vous les a présentées de long en large depuis la matinée, plus c'est important. Et je pense qu'il est là le nœud, il est là la clé de notre évolution vers une agriculture beaucoup plus intéressante. Il vous reste 4 minutes. 15, vous dites? Merci. 4, pas 15, 4. À partir de 60 cm de profond. 4. Que... Oh! 1, 2, 3. Je vois 5 doigts. Ah non, non, non. Hey, il prend mon temps, vous êtes témoin. À partir de 60 cm de profondeur, 44 % des racines partagent les mêmes macropores. Et je trouve ça intéressant parce que 60 cm... c'est beaucoup plus creux que le travail de sol et ça implique qu'on nourrisse notre sol et qu'on aille développer cette structure-là, cette profondeur-là. 85 à 100 % des racines vont passer par des pores existants. Donc, toute la problématique de compaction, il faut aussi mettre ça dans notre arrière-pensée. Donc, mettre les racines au cœur, ça veut dire une meilleure vie microbienne, ça veut dire une meilleure dégradation des contaminants. Et là, on revient à la qualité de nos grains. Et c'est une meilleure croissance du système racinaire. Et on se met à tourner en rond rapidement. Meilleur rendement, meilleure utilisation, meilleur... biologique ou agroécologique? Il y a une étude qui est sortie tout récemment qui dit que les personnes qui utilisent des produits biologiques, voilà les bénéfices réels d'une alimentation avec biologique. Par contre, vous avez ça, des contrats ici avec des tout petits caractères en bas? Ouais. Tout le monde lit les petits caractères en premier? Non. Et les petits caractères de cette étude-là disaient aussi que tous les gens qui avaient cherché ces bénéfices-là avaient des habitudes alimentaires beaucoup plus saines, plus de fruits, plus de légumes, plus de grains entiers, plus de légumineuses, moins de viande et plus d'activité physique. Alors, quand on parle d'une alimentation plus saine, il faut se poser toute la question avec le lien avec nos saines habitudes de vie. En adoptant des saines habitudes de vie, bien, on va chercher ces bénéfices-là. Dans le monde actuellement, 51 millions d'hectares, ce qui représente à peu près 1 % des superficies totales. Moi, je travaille avec le 95 autres % des producteurs agricoles. Et la question a été bien posée ce matin. Qu'est-ce qui est le mieux de regarder? La qualité des aliments, la qualité de notre environnement ou le processus qui va être adopté?
J'ai présenté ce chant-là il y a quelques mois à un groupe de une conférence où il y avait à peu près 125 personnes, dont 120 n'étaient pas de l'agriculture, et je leur ai demandé ce qu'ils voyaient. Et on m'a répondu « tueur d'abeilles, pollueur, destructeur d'environnement ». Et je me suis demandé si ces gens, si de tous ces gens-là, personne ne mangeait de pain. Parce que moi, quand je vois cette image-là, je vois du pain, je vois des pâtes, je vois des gâteaux, je vois des parties de famille. Qui plus est, ce chant-là, c'est celui qui a zéro glyphosate et zéro MPA malgré une utilisation fréquente dans les 40 dernières années. Alors, comment on fait le lien entre l'agriculture et le consommateur? Le système extrêmement complexe, je pense qu'il faut mettre au cœur du système la préservation de la fertilité de nos sols. On dit souvent, vous l'avez sûrement entendu, on n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Ça veut dire que le rôle premier du producteur agricole, c'est d'améliorer le sol pour de laisser un peu mieux à ses enfants. Et la vraie manière de faire, c'est probablement celle-là, c'est d'inclure un vrai travail réduit du sol, d'y ajouter les cultures de couverture d'une manière dynamique. Et quand je dis dynamique, ça veut dire dans le temps. Les mélanges que je présente maintenant vont être différents dans 5 ans parce que mon sol va avoir grandi. Et il faut que j'adapte mes racines à mon sol de plus en plus vivant. Bonjour. Fini. Donnez-moi 30 secondes. D'accord. J'ai 6 heures de décalage. Les 3 bases de la santé des sols. Couvrir et nourrir tout le temps, en premier. En deuxième, couvrir et nourrir tout le temps. En troisième, couvrir et nourrir tout le temps. Il faut mettre ça au cœur de nos préoccupations. Je veux simplement prendre les 10 secondes que ce monsieur m'arrache avec plein d'énergie pour vous présenter mon fils. Voici mon fils. Non, c'est les pieds de votre fils. Oh, absolument. Et ce garçon-là, à 16 ans, a décidé de faire du parachute. Et je me disais, en tant que mère, est-ce qu'il n'y a pas là un problème? Est-ce qu'il n'y a pas un organisme, chez nous on appelle ça la DPJ, la Département de la protection de la jeunesse, qui débarque chez les parents qui maltraitent leur enfant? Et je considérais que de permettre à un enfant de 16 ans de sauter d'un avion à 5000 mètres d'altitude, c'était un peu négligent. Mais Frédéric a maintenant au-dessus de 1000 sauts à son actif et il s'est mis à prendre des photos et il ramenait ces photos-là à la maison. Et je me disais, quand est-ce qu'on prend le temps de s'éloigner un peu et d'avoir un regard global sur l'impact qu'on a sur notre agriculture? Quand est-ce que vous avez fait un saut au parachute dernièrement? Ça fait partie des obligations de la prochaine année pour regarder notre terre et la regarder dans le silence. Et vous sautez vous-même en parachute? J'ai 5 sauts à mon actif. Mais c'est bien! Et écoutez... et c'est vraiment extraordinaire. Fear of missing out. Ce phénomène-là nous enlève 1 à 2 heures de sommeil par nuit. Nos cellulaires nous imposent de toujours être au courant de tout ce qui se passe. Qu'est-ce que Beyoncé a mangé hier soir? Pouvez-vous me trouver ça? Ça va vous occuper. La poutine. Elle a mangé une poutine à Montréal. Je vous la paie. Et on a aussi ça en agriculture. On a cette peur de manquer de quelque chose. Il y a toujours une nouvelle technologie. Il y a toujours un nouveau produit qui nous promet toujours des rendements meilleurs à moindre coût. Et pour se sortir de ce phénomène-là, bien, il faut connaître, il faut apprendre, il faut comprendre. Mais surtout, il faut
se faire confiance. Le sol, c'est notre richesse à tout le monde. Certains d'entre nous avons le privilège de le travailler et de l'améliorer, mais il faut se faire confiance dans les nouvelles techniques qu'on est à apprendre. Merci beaucoup. Bravo.